Étanchéité, ok. Oxygène, ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Heller, c'est quoi ma règle de base? Écoutez, Lynn. Boss Lynn a toujours raison. Exactement. Écoute-moi. Le minage, c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'éboulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varun, d'accord? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot? Un de ces jours et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ok. Voyons voir ce qu'on a. On est bon niveau temps? On a un peu de marge. On prend des échantillons? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liberastra? Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union Coloniale? On serait noyé sous la paperasse. Oh, visez-moi pour ce travail. Calvert, non, 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 non! C'est un laser, pas une masse. Vas-y, Molo. Belling, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoot-toi. Ouais, ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre paye, il faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active. Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? On reste là? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok, on considère que ce filon est tari. Pourquoi on retournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant? Entendu, madame. Ok, à toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Tu penses qu'on a bientôt fini? J'ai entendu dire que c'était le dernier forage. Je suis occupé, là. De personne d'autre à déranger. Ils vous attendent. Reviens par ici. Je serais content. Allez, de me tirer de ce gars. C'est l'heure. Suis-moi. Extraction. On y va.
Heller, ça donne quoi? Un problème? Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. C'en est pas un. Ah bon? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Bah ok, vous commencez à me faire peur, là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va. On se rapproche, je crois. Tout est juste... Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où, Heller? Par là, je crois. Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal? Est-ce qu'on... Tu vas la fermer, oui. Allez, vous deux, faites votre travail. Le client est en route. C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose? Doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes? La nouvelle recrue d'Argos Extractor? Ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose?